un autre pied rare, dans lequel on voit que le body de la pompe à l'eau est vissé par quatre vis avec des lames plats. Alors, on voit un body carré. Les splines du moteur, c'est un gros shaft, là. C'est quand même un moteur là, des centaines de force et plus. La particularité, c'est la grandeur du housing de joint en haut, là, qui est assez exceptionnelle. Un petit shift-shaft dans lequel il y a un petit trou pour le fixer. Alors ici, on voit que le propre shaft, ça tourne pas, là, ça tourne un peu, mais sans plus. Le propre shaft avec la boule en avant, ça a 15 pouces et demi. Le housing complète la hauteur, ça a 18 pouces et un 8. Le cœur du joint ici, un joint au-dessus de la boule du bearing carrier, ça a 9 pouces et quart. Le pied complet a 22 pouces de large. Au joint de housing, ça a 18 pouces et demi. Le shaft qui ressort du pompe à l'eau a 23 pouces et quart. Merci.